Bonsoir, réseau Facebook, Marie-Christine Eustache, en direct pour le live ce soir qui va être très court parce que je suis rincée. Donc justement, j'en profite pour vous partager le fait que c'est important d'écouter son corps, d'écouter son organisme. Pendant trop longtemps, je ne l'ai pas fait, on ne m'a pas appris à le faire. Et donc, j'ai appris après, au fur et à mesure, à prendre soin de mon organisme, à l'écouter, et entre autres, à l'écouter quand il est fatigué, que j'ai envie de dormir, que je passe mon temps à bâiller. Bien, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dormir. Voilà, donc j'ai fait ma journée de... Ce matin, j'ai eu une séance avec Siam. On a encore bien dégagé des choses. Cet après-midi, j'ai travaillé en tant que conseillère clientèle. Ce soir, normalement, j'avais une soirée entreprise de prévu, mais là, non, j'ai décliné, j'y vais pas. Bonsoir Bertrand, bienvenue sur le live. Parce que je suis vraiment trop fatiguée. Prendre la route, même si c'est pas très loin, dans mon état, bah, c'est pas très sérieux. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un collègue de l'Académie Zéro Limite qui a fait un grand post. Parce que justement, il ne s'est pas écouté. Justement, il a pris sa voiture alors qu'il était fatigué. Il ne s'est pas arrêté en route. Voilà, parce qu'il a une voiture qui conduit toute seule. Mais voilà, la voiture qui conduit toute seule. Ok, à un moment, il a repris, il a pris la main sur le pilotage. Résultat, il s'est endormi. Il a eu un accident. Heureusement pour lui, tout va bien. Bon, la voiture, un petit peu moins, mais il y a des carrossiers pour ça. Et donc c'est important de s'écouter, c'est important de s'écouter et de ne pas aller forcer les choses. Donc là, moi ce soir, voilà, j'ai mangé un petit peu, je vais me prendre une bonne douche et au lit. Et puis pareil, pour samedi, j'avais prévu d'aller faire un don du sang samedi en fin de matinée. Et mon chéri me dit, ah ouais, là, cet après-midi, le samedi après-midi, on va naviguer sur la chaloupe. Donc on va aller naviguer sur un vieux gréement, sur l'Erdre, en préparation d'une manifestation qui va avoir lieu fin août, donc il faut apprendre à naviguer sur ce bateau. Et je me suis dit, ah ouais, non, ça va faire trop. Entre la température qu'ils annoncent samedi, faire un don du sang, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup, il faut se reposer après. Je dis non, ben, c'est pas grave. Le don du sang, j'annule pour samedi matin, et je le ferai dans la semaine qui suit, à un autre endroit. Pour préserver mon énergie et pour choisir ce que je vais faire. C'est-à-dire que samedi, d'aller naviguer sur l'Erdre, donc on va être sur l'eau, sur un vieux gréement, avec mon chéri, avec d'autres personnes, ça me botte. Et que si je fais le don du sang le matin, il y a de grandes chances que l'après-midi, je passe mon après-midi à dormir. Donc en décollant en rendez-vous, à jeudi après le travail, jeudi de la semaine voilà, après. Ben c'est vrai que je pourrais manger et aller me coucher directement et il n'y aura pas d'impact sur ce que j'ai à faire. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises à faire et pour gérer l'énergie dont je dispose, prendre soin de mon organisme et avant de me coucher, là, ce soir, je vais faire les exercices de libération des énergies, justement, parce qu'en général, quand je suis crevée comme ça, qu'est-ce qui arrive derrière? C'est un mal de tête. Donc, je vais ouvrir les portes énergétiques pour faire sortir toute l'énergie qui pourrait se retrouver coincée dans la tête, histoire de faire une bonne nuit de sommeil pour être en pleine forme demain. Voilà ce que je souhaitais vous partager du coup sur ce live, défi live. Je vous rappelle, vous les retrouvez, les défis live, sur YouTube, donc vous pouvez les partager aux personnes que vous connaissez si vous pensez qu'il y a certaines thématiques qui peuvent être impactantes, intéressantes pour des personnes que vous connaissez autour de vous. Donc vous les retrouvez sur YouTube, vous pouvez les partager. Et sur ce, eh ben écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. La chaleur, c'est pas forcément évident, moi c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à supporter aussi quand même là. Donc même si j'ai bu beaucoup, 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 mon corps il est crevé. Donc repos pour être en forme demain matin. Bonne nuit tout le monde!